Bonsoir à Moi, c'est tous, je Elkhair suis Sophie Gamien. Pommier, je suis directrice adjointe de l'Institut français d'Égypte, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et voilà, je tenais à vous accueillir aujourd'hui et vous dire à quel point nous sommes contents de recevoir à nouveau les rendez-vous de l'archéologie proposés par l'Institut français d'archéologie orientale, ici au Caire. Et de laisser la parole ce soir au professeur Philippe Colombel, que Laurent Bavet, directeur de l'IFAO, va vous présenter plus en détail ainsi que ses travaux. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence. أعماله عن بعثة الآثار الفرنسية السويسرية في الزقارة. أمسية سعيدة. Oui, mesdames, messieurs, merci Sophie. Je suis سادتي. شكرا سوفي. Très heureux évidemment de vous accueillir nombreux pour cette première conférence de l'année du cycle des rendez-vous de l'archéologie, donc organisé conjointement par l'Institut français d'archéologie orientale et par l'Institut français d'Égypte. Ce cycle a été initié en avril dernier et il s'agit de donner la parole littéralement aux responsables des chantiers archéologiques français qui travaillent ici en Égypte, nombreux, plus de 35 missions archéologiques sont actives en Égypte et permettre donc à ces responsables de présenter un public le plus large ces travaux. La nouveauté de cette année est que les présentations sont aussi maintenant enregistrées, seront donc disponibles pour ceux qui n'auront pu nous rejoindre ce soir. Cette année, avec l'un des sites les plus prestigieux d'Égypte, la nécropole de Saqqara, fondée en 1963 par le professeur Jean Leclan, assisté par Philippe Loewer. La mission archéologique française de Saqqara, la MAFES, compte parmi certainement les plus importantes entreprises égyptologiques en Égypte. Depuis plus d'un demi-siècle maintenant, elle se consacre à l'étude des complexes funéraires royaux de l'ancien empire dans la partie sud du site de Saqqara et en particulier des pyramides à texte, avec l'objectif de publier intégralement cet ensemble qui forme le plus ancien recueil de textes de l'Égypte pharaonique. En fait, les travaux de la mission vont bien au-delà de cette édition de textes et les recherches menées par l'équipe française sur le terrain nous donnent à découvrir l'histoire même de la première grande période d'apogée de la civilisation égyptienne, l'Ancien Empire. Pour présenter ces travaux, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur actuel de la mission, Philippe Colombel, diplômé de muséologie de l'école du Louvre à Paris, docteur en égyptologie l'école pratique des hautes études avec une thèse soutenue en 2000 sous la direction du professeur Pascal Vernus. Philippe a été membre scientifique de l'IFAO entre 2000 et 2003. En 2008, il est nommé professeur d'égyptologie à l'Université de Genève où il est aujourd'hui professeur ordinaire. اليوم أستاذ مصريات في الجامعة جنيف وهو يشارك في منذ 2002 في أعمال البعثة ويترأس البعثة منذ عام 2007 بعد البروفيسور لابروس. Merci donc à Philippe de nous offrir cette présentation ce soir. Je sais que pour lui, c'est aussi très fatigant parce qu'il termine la mission ces jours-ci. Je crois que la mission va terminer demain. Donc on sait tous qui avons fait du terrain que les derniers jours de mission sont toujours particulièrement éprouvants. Donc merci encore à Philippe de nous donner cette présentation aujourd'hui. Merci à Mohamed Bouabdallah, à Sophie Pommier et à l'équipe de l'IFE de nous accueillir une fois de plus dans son auditoire. Je vous souhaite une très belle conférence. محاضرة سعيدة. شكرا.
C'est bon. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je remercie donc vraiment pour cette invitation très sympathique l'IFA, la personne de Mme Pommier et M. Bouabdallah, et pour l'IFAO, son directeur, M. Laurent Bavet. Vous remarquerez d'ailleurs que parmi tous les petits logos qui se trouvent en bas de l'écran ne se trouve pas l'IFAO. Et pourtant, depuis le début, nous avons des relations plutôt informelles avec l'IFAO qui nous facilitent le travail sur place, mais là aussi, grâce à l'initiative de Laurent Bavet, dès l'année prochaine, nous pourrons apposer de manière officielle le petit logo de l'IFAO, puisque nous travaillerons officiellement conjointement. Comme l'a présenté Laurent Bavet, la mission archéologique française de Saqqara a débuté en 1963, créée par Jean-Philippe Loer et le professeur Jean Leclan. Elle travaille à Saqqara, que vous connaissez tous, et plus particulièrement dans la zone de Saqqara Sud, autour de la pyramide de Pépi Ier, essentiellement. Voilà. Nous fouillons la nécropole du roi Pépi Ier. Le but initial, comme l'a rappelé Laurent Bavet tout à l'heure, était de récolter et de fournir une édition complète des textes des pyramides, ces textes absolument fondamentaux pour l'histoire de l'humanité, n'ayons pas peur des mots, puisqu'il s'agit du premier corpus inscrit de l'histoire de l'humanité. Ces textes ont été édités dès le début de leur découverte, dès leur découverte, à la fin du 19e siècle. Une édition magistrale a été donnée par Courtes études, de ces textes. Bien évidemment, ce travail s'accompagne aussi d'un travail de restauration. Alors là, il fait très noir, mais je vous demande de me croire, la diapositive est normalement beaucoup plus claire que cela. Je vais m'éloigner pour voir si l'on voit quelque chose. Ouais. On pourrait peut-être baisser les lumières. Ici, vous avez l'intérieur d'une pyramide qui n'est pas la même que celle qui est présentée ici. C'est l'intérieur de la pyramide de Pépi Ier qui a été totalement restaurée. L'ensemble des blocs qui ont été retrouvés ont été replacés sur les murs. C'est un travail de longue haleine qui a commencé dans les années 60 et à l'exemple de ce qui se trouve ici dans la pyramide de Pépi Ier. Ces deux jeunes personnes en train de replacer les textes travaillent encore avec nous, mais sont actuellement à la retraite. Vous voyez que cela a pris un certain temps pour arriver à reconstituer l'ensemble de ces textes. Il s'agit de replacer les textes à l'endroit où ils se trouvaient initialement et aussi d'en faire donc un fac-similé, c'est-à-dire une copie absolument exacte pour donner pour avoir une idée absolument parfaite de la façon dont les hiéroglyphes étaient gravés. Cela a abouti à la publication d'un premier volume sur les textes de la pyramide de Pépi Ier. Il en existe d'autres. Le volume concernant la pyramide du roi Merenre a été donné pour impression à l'IFAO l'année dernière. Un autre volume devrait être donné d'ici la fin de l'année. Le travail avance à grands pas. Notre recherche initiale, l'essentiel de nos recherches archéologiques se déroule dans la nécropole de Pépi Ier,
et c'est ce dont je vais vous entretenir essentiellement ce soir. Pour autant, la mission a élargi un peu ses horizons en allant travailler notamment dans la pyramide de la reine Mate. Cette pyramide de la reine Mate a été découverte par l'égyptologue suisse Gustave Jéquier dans les années 1930. Et sa copie des textes est très importante puisque cette pyramide de Rennes est la seule pyramide dont les textes inscrits à l'intérieur sont totalement, quasiment totalement conservés. Il était donc important pour nous de revoir cette copie, car la copie effectuée par Jéquier était aussi particulièrement fautive. Nous avons donc réouvert la pyramide pour avoir une idée claire. Est-ce que l'égyptologue Jéquier s'est trompé dans sa copie, ou est-ce l'ancien égyptien qui s'est trompé dans sa copie? Et il a très mal peint les signes qui avaient été, en revanche, très bien gravés par le graveur égyptien ancien. Et donc, en utilisant une lumière rasante et en revoyant tous les textes, nous avons pu restituer la copie initiale du texte égyptien qui était sans faute. Ayant eu la possibilité de travailler dans la pyramide de Nate, nous avons aussi découvert sur le sol une centaine de fragments de textes des pyramides qui n'avaient pas été publiés par Jéquier. Il les a probablement jugés trop petits et donc il les a abandonnés. Nous avons bien évidemment récolté tous ces fragments et nous avons pu les restituer virtuellement sur les parois, ce qui nous permet encore une fois d'avancer dans notre compréhension de ces textes. Étant donné que la permission nous avait été donnée par le ministère des Antiquités de travailler dans la pyramide de Nate, qui était fermée depuis les années 30, depuis la fouille de Jéquier, nous avons décidé d'aller plus loin. Comme d'habitude, quand une porte s'ouvre, on essaie d'ouvrir les autres portes. Enfin, du moins, c'est une bonne habitude, une mauvaise habitude. Et donc, nous avons demandé à ouvrir la pyramide du roi Ibi. Cette pyramide du roi Ibi date d'un peu après la fin de l'Ancien Empire, de la première période intermédiaire, et elle contient aussi des textes des pyramides. Ici, la copie a été bien faite, mais nous espérions peut-être retrouver d'autres fragments que le fouilleur, qui était le même fouilleur Gustave Jéquier, suisse, aurait abandonné, laissé pour compte. Nous avons ouvert la pyramide et en effet, plus de 400 nouveaux fragments sont apparus que nous avons commencé à essayer de remettre en place. Donc c'est un travail qui a commencé en 2015, celui-ci. Mais ce dont je vais vous parler ce soir, c'est la nécropole de Pépi Ier. Donc, si vous voulez, Saqqara Sud, mais le nord de Saqqara Sud. Ici, autour de la pyramide de Pépi Ier, tout un ensemble de pyramides de reines, de pyramides de la famille royale, ont été découvertes. Je parle de pyramides, mais les quelques visiteurs qui viennent sur place ont parfois du mal à retrouver ces pyramides dont je parle. Pourquoi ? Toute cette zone a été l'objet d'un pillage intensif. Bien sûr, un pillage dès l'Antiquité des trésors qui pouvaient être enfouis à l'intérieur des pyramides. Mais le pillage le plus important est celui des pierres. C'est-à-dire que depuis le Nouvel Empire, depuis environ 1500 avant Jésus-Christ, les Égyptiens anciens
sont venus se servir dans cette nécropole et récupérer des pierres, récupérer le bon calcaire de Toura qui constituait essentiellement le parement de ces pyramides. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne voit pratiquement plus rien en fait de pyramides. Vous n'avez par exemple ici que la structure interne de la pyramide qui était constituée de calcaire local, c'est-à-dire du mauvais calcaire, qui n'intéressait pas les carrières. De la même manière, l'intérieur de la chambre de ces pyramides était constitué de bon calcaire de Toura. Il a aussi été extrait. Et vous avez ici quelques couches blanches qui sont des niveaux de destruction qui s'apparentent au moment où les carriers sont venus se servir dans la nécropole. Ce travail des carriers a débuté au Nouvel Empire, je vous l'ai dit. Il a continué tout au long de l'époque pharaonique. On a des attestations aussi de carriers de la basse époque et jusqu'à l'époque moderne, puisque à l'époque mamelouque, il y avait une véritable usine de fabrication de petites dalles de calcaire débitées sur nos textes des pyramides, par exemple. التي كانت ناقصة من النصوص أو من الأهرامات التي وجدناها. هذه هي الجبانة في حالتها الآنية. Toutes les pyramides qui ont été découvertes depuis le début des fouilles. La fouille de cette nécropole a commencé en 1987 par un survey électromagnétique qui a permis de trouver une zone particulièrement dense, particulièrement prometteuse pour la fouille. Il s'agissait de ce petit coin autour de la pyramide de Mehounet. Et donc, en 1988, une première pyramide est apparue au cours des fouilles. Depuis 1988, nous ne faisons que continuer, avancer vers l'ouest, vers le sud, vers le nord, et découvrir d'année en année de nouvelles pyramides. Des pyramides de reines épouses du roi Pépicornide. Vous avez donc la pyramide du roi et tout autour des pyramides de ses épouses. Attention, toutes les pyramides qui se trouvent ici ne sont pas nécessairement des épouses de Pépicornide. Elles font toutes parties de sa famille, mais elles peuvent être des filles de Pépicornier et d'autres encore un petit peu plus tardives. L'ensemble de cette nécropole a continué à être utilisée et a continué à être un lieu de sépulture pour des reines à des époques un peu plus tardives que celles du roi Pépicornier lui-même. Que connaissait-on de cette nécropole? Que connaissait-on, pardon, des femmes, des épouses de pour juger de l'affaire de la reine dans le harem. On ne lit rien de plus. De quoi s'agit-il? Est-ce que cette reine a essayé de placer sur le trône son fils? On ne sait rien, évidemment, le texte est très abusif pour ne pas dévoiler le secret d'État. Nous connaissions donc, avant de commencer les fouilles, ces deux reines, ces deux sœurs, Ornès Pépi 1 et 2, et puis, appelons-la la reine maudite, une reine
زن هناك الأختين ثم الملكة الثالثة التي سوف نسميها الملكة الملعونة ثم هناك ملكة أخرى إنانك إنتي والخامسة والملكة مهيا التي دفنت مع ابنها الذي مات في سن صغيرة ومدفون في مصطبة بالجوار ثم الملكات الأخريات متأخرات بيراميد للرين أورنس بيبي 2 التي فرا لوبجي دو اتنسيون سبيسيال سو سوار اكتشاف هرم الملكة أورنس بيبي الثانية التي سوف تحملها بشكل كبير هناك qui s'appelle Sebutet. Si vous la cherchez parmi les pyramides qui se trouvent ici, vous retrouverez les noms un peu partout, vous ne la retrouverez pas. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore trouvé son complexe. Mais manifestement, son complexe funéraire et sa pyramide ont dû être dépiautés par les carriers. Ils ont en partie réutilisé ce linteau. Et donc, ونحب أحجاره ici au nord, وربما كان هنا ici, أو هنا في الشرق doit nous attendre une pyramide supplémentaire de cette reine Sebutet absolument inconnue لهذه الملكة المجهولة بشكل تام. La pyramide royale se trouve inscrite à l'intérieur d'une enceinte. Derrière cette enceinte se trouve une rue qui vient desservir tous les complexes يخدم كل مجمعات الملكات والمعابد الجنائزية الذي اسميناه الدائرة الثانية. وإذا تتبعنا هذا de ces différents complexes, vous vous rendez compte qu'il s'agit donc d'un tracé rectiligne et que très probablement il s'agit de la limite ouest de la nécropole royale. Et qu'attend-on derrière cette limite ouest? Eh bien, comme c'est inscrit ici, la nécropole civile des grands dignitaires. C'est-à-dire que très certainement aussi, si l'on continue à fouiller إذا قمنا بالتنقيب في الغرب سوف نجد جبانة النبلاء الوزراء والشخصيات الهامة في عصر بيبي الأول والدليل وجدناه لأننا وجدنا عناصر لمصطبة لويني الذي تحدث عن هذه المؤامرة التي ذكرتها. Ce soir, أعرض عليكم مثلين مجمع الملكة بيهنو الذي نقلنا عن رسن بيبي 2 qui a fait l'objet des découvertes les plus récentes. مجمع الملكة إخنيس بيبي الثانية الذي كان موضوع اكتشافات se compose d'éléments que l'on retrouve dans tous les complexes funéraires, à savoir une entrée كافة العناصر التي نعرفها pour l'essentiel une grande cour un portique des magasins dans lesquels on entreposait le matériel de culte. Et puis ensuite, on passait par ici, et cet ensemble n'a pas été retrouvé. L'élément le plus important est cette fausse porte qui se trouve dans la salle des offrandes, fausse porte devant laquelle, quotidiennement, et probablement même trois fois par jour, on déposait des offrandes qui devaient permettre à la reine enterrée dans cette chambre funéraire de venir magiquement se déplacer à travers la pyramide et venir se sustenter avec les offrandes qui avaient été déposées sur l'autel devant la fausse porte. Derrière cette fausse porte, un petit magasin et aussi on retrouve de manière pratiquement constante une petite pyramide
qu'on appelle pyramide satellite et dont la fonction nous l'échappe malheureusement. Alors, cette reine Beylou, nous en avons trouvé une série de portraits, une petite statue, plusieurs petites statues. Je l'ai prise dans la main pour qu'on voit la taille extrêmement petite de cet élément. Cette reine Beylou nous pose quelques problèmes car elle est épouse du roi Pépi. Mais il existe deux Pépi, Pépi Ier et Pépi II. Je ne rentrerai pas dans le détail des datations ce soir. Je vous dirai tout simplement que nous avons certains arguments pour la dater de l'époque de Pépi Ier. Ce serait donc une épouse de Pépi Ier. D'autres arguments vont plutôt pour une datation à l'époque de son petit-fils. C'est-à-dire, très souvent, à l'entrée même des complexes, ici on se trouve dans la rue, on retrouve des tables d'offrandes. Que sont ces tables d'offrandes ? Ce sont des tables d'offrandes qui sont déposées par les prêtres eux-mêmes qui travaillaient à l'intérieur de cet ensemble et qui essaieraient bénéficier d'un peu de la reversion des offrandes, d'un peu des offrandes qui avaient été présentées devant la reine lorsque le prêtre qui apportait les offrandes ressortait avec une assiette plus ou moins pleine de nourriture, il en déposait probablement un peu sur ces tables d'offrandes, un peu de nourriture et un peu d'eau ou de bière pour que ces prêtres continuent à vivre pour l'éternité. Mais vous remarquerez que ces tables d'offrande ne sont pas placées à l'intérieur du complexe de la reine. Elles sont juste à l'extérieur. L'intérieur du complexe est sacré. Ces tables ne peuvent pas y pénétrer. Nous avons trouvé des centaines et centaines de tables d'offrande, aussi bien juste à l'entrée du complexe que dans d'autres endroits de la nécropole. Voilà à quoi ressemble une pyramide lorsqu'on la retrouve. C'est-à-dire un énorme cratère, pratiquement un cratère de volcan, puisque les carriers ont dépecé l'ensemble de la pyramide, ont pratiqué un énorme trou à l'intérieur de la pyramide pour venir récupérer les murs qui formaient la chambre funéraire de cette reine en l'occurrence. Lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur de cette chambre funéraire, nous avons quand même eu le bonheur et la surprise de retrouver des textes des pyramides inscrits à l'intérieur de la chambre, des textes des pyramides en place. Voilà un plan succinct de l'intérieur de la pyramide et voici l'endroit en vert où se trouvaient tous les textes des pyramides encore en place. Mais pour l'essentiel, ce sont bien évidemment, comme d'habitude, des centaines, des milliers de fragments qui ont été retrouvés. Et donc le puzzle a commencé, continue. Le puzzle des textes des pyramides de cette reine Beylou est terminé. Et encore une fois, tout cela devrait être soumis pour publication d'ici l'année prochaine. Voici donc un grand mur en place, le mur nord de cette pyramide de Beylou. Le revoici positionné dans un dessin avec la hauteur attendue des murs de cette chambre. Voici maintenant en noir les éléments, les fragments, certains des fragments retrouvés et repositionnés. Et une fois que ces fragments sont repositionnés, puisque la plupart de ces formules qui sont ici sont connues par des parallèles dans d'autres pyramides, eh bien on peut combler les trous avec ce que l'on a, les textes parallèles que l'on a retrouvés dans les autres pyramides. Psst.
Bien évidemment, il y a une reconstruction virtuelle de ces textes des pyramides, mais nous essayons aussi de les restaurer de manière réelle. Et donc, cette année, Before After, j'ai utilisé cette diapositive dans une conférence en anglais, manifestement. Vous voyez que depuis cette année, nous avons par exemple commencé la restauration de l'angle qui se trouve ici. Le voilà au moment de la découverte. Et le voici reconstitué avec les fragments restitués à leur place. Ce travail date d'il y a 3 semaines. Donc vous en avez pratiquement la première exclusivité. Je vais m'intéresser maintenant au travail le plus récent de la mission, c'est-à-dire celui de l'année dernière et surtout celui de cette année. Je vais parler de 3 éléments qui ont été découverts cette année, notamment, puisque on en a notamment parlé dans la presse égyptienne et internationale. Ça me permettra de revenir un peu sur ces découvertes de manière peut-être un peu plus approfondie. Le complexe que nous fouillons depuis maintenant 2 ans, que nous terminons de fouiller, est celui de cette reine Ornès Pépi II. J'en fais le tour. Voilà, avec le pointeur, et puis on suppose que le complexe se terminait ici. L'essentiel du complexe, tous ces magasins qui se trouvent ici, avec cette cour, une entrée ici, avaient été fouillés à la fin des années 1990. Et nous avons décidé, pour les années à venir, eh bien, de terminer la fouille de ce complexe. Cette reine Ornès Pépi II est particulièrement importante. Ne serait-ce qu'en regardant ce plan, vous pouvez vous rendre compte de l'importance de cette reine. Pourquoi ? Les pyramides des autres épouses de Pépi Ier font 20 mètres de large. À chaque fois, 20 mètres de côté, 20 mètres de côté. Celle de Beynou en fait 25, elle est un petit peu plus grande, mais on ne sait pas de quelle date. La pyramide d'Ornès Pépi II fait 30 mètres de côté. Donc déjà, par la dimension de sa pyramide, elle est plus grande que les autres. Par le nombre de ses magasins et l'importance de ses magasins, vous voyez aussi qu'elle a un ordre de grandeur beaucoup plus important que les autres. Par l'étendue de son complexe, vous vous rendez compte aussi qu'il s'agit d'une reine un peu particulière. En quoi est-elle une reine particulière ? Eh bien, la solution nous a été donnée par les reliefs qui ont été retrouvés lors des fouilles dans les années 90. Ces reliefs nous expliquent notamment qu'elle a été épouse de Pépi Ier, mais ensuite, lorsque Pépi Ier est mort, elle a épousé son successeur, Merenré. Son successeur Merenré n'était pas son fils. Il était le fils d'une autre épouse, qui était d'ailleurs très probablement sa sœur Ornès Pépi Ier. Donc, elle a épousé, si vous voulez, son neveu. Et avec son neveu, elle a enfanté le successeur de Merenré, à savoir Pépi numéro 2. Voilà pourquoi on l'appelle mère du roi Pépi II. Elle est donc épouse de 2 rois successifs et mère royale, mère d'un du troisième roi. C'est-à-dire que ces 3 rois qui se sont succédés avaient quelque chose à voir avec cette reine Ornès Pépi II, soit ils étaient les époux, soit le fils de cette reine. Donc, une reine extrêmement importante. D'autant plus importante que lorsque son deuxième mari, Merenré, va décéder, il a régné, on pense, autour d'une dizaine d'années, le roi Pépi II, son fils, monte sur le trône, mais il est d'un très jeune âge. Il n'est pas encore véritablement en âge de régner.
Manéthon, chroniqueur du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui travaillait à partir de l'archive égyptienne ancienne, explique que le roi est monté sur le trône à l'âge de 6 ans. Et donc, si Pépi II monte sur le trône à l'âge de 6 ans, il n'est manifestement pas en état de gouverner un pays, que ce soit l'Égypte ou un autre pays. Vous en avez une explication très claire sur cette magnifique statue du musée de Brooklyn, où on voit la reine Henriès Pépi II avec sur ses genoux le petit roi Pépi II. Vous voyez qu'il a un visage et un corps d'adulte, mais la représentation de petite taille montre qu'il s'agit encore véritablement d'un enfant. Malheureusement, cette statue n'a pas été retrouvée lors de nos fouilles. Pour autant, nous avons trouvé toute une série de reliefs comme celui-ci de l'époque de Pépi II dans le temple de la reine Henriès Pépi II, et qui montre qu'elle avait utilisé tous les ateliers royaux, puisque ces reliefs sont d'une finesse absolument incroyable. Sa chambre funéraire avait été retrouvée dans les années 2000, et on y avait retrouvé aussi des textes des pyramides. Après tout, je vous ai montré depuis le début, de beaucoup de pyramides de reines ayant à l'intérieur de leur chambre funéraire des textes des pyramides. Cela peut vous sembler normal, voire banal. Ça ne l'est pas. Il est très probable que la première reine à avoir eu des textes gravés à l'intérieur de sa pyramide fut la reine Henriès Pépi II. Les autres reines que l'on connaît avec des textes des pyramides gravés à l'intérieur de leur chambre sont plus tardives, ce sont des épouses du roi Pépi II, dont Henriès Pépi II est justement la mère. Il est très probable qu'en tant que régente du royaume, elle s'est arrogée des prérogatives royales, et que ces textes des pyramides qui auparavant étaient réservés aux inscriptions, réservés aux chambres funéraires royales, étaient désormais بدأت في أن تستخدم بالنسبة للملكات للملكات هذا هو مجمعها on se trouve ici au niveau de la pyramide de Pépi I un peu plus loin dans le lointain vous voyez aussi la pyramide de son deuxième mari et d'ailleurs elle est en contact visuel pratiquement avec la pyramide de son deuxième mari. Et plus au sud encore, un peu plus loin par ici, elle est presque en contact visuel aussi avec le temple funéraire de son fils et la pyramide de son fils, le roi Pépi II. Ont été retrouvées toute une série de reliefs absolument magnifiques de son temple funéraire qui mériterait absolument de figurer dans un musée. Et d'ailleurs, en parlant il y a deux jours au docteur Tarek Taoufik, et en lui montrant quelques photos de ces blocs, ainsi que, par exemple, cette reconstitution d'une paroi du temple funéraire de la reine, une incise ici fait 50 cm. Vous avez donc ici une paroi de 3 mètres de hauteur, plus de 3 mètres de hauteur sur à peu près 5 mètres de long avec des reliefs absolument magnifique que j'ai présenté au docteur Tarek Taoufik, le directeur du Grand Egyptian Museum, qui m'a dit « I want it for my museum ». Et donc, avec un petit peu de chance, d'ici quelques années, vous retrouverez ces éléments dans le grand musée égyptien. Je vous montre un autre exemple ici de relief qu'on ne peut pas replacer à l'intérieur d'une scène plus grande, mais qui est absolument somptueux aussi. Vous avez un lion qui essaye de passer par-dessus une palissade pour attraper une gazelle. Je crois qu'un seul autre exemplaire de ce type de scène se trouve attesté, et c'est dans le mastaba de Ti à Saqqara. Voilà donc cette reine Henriès Pépi II. Et notre travail de ces dernières années était de terminer en fait
la fouille du complexe, donc de retrouver la limite ouest, la limite sud et la limite est du complexe. L'année dernière, en fouillant, cette partie, donc la limite ouest du complexe, qui est encore été restée sous les sables, nous sommes tombés sur une sorte de une couche d'ossements de bovidés étonnante. J'ai appelé ça un amoncellement parce que l'ensemble de ces ossements a été éparpillé, jeté sans ordre sur plus de 80 centimètres. Plus de 250 crânes du crâne ont été retrouvés, donc il devait y avoir un nombre impressionnant d'individus. Et on y a aussi retrouvé, parmi d'autres éléments momifiés de bovidés, un petit un naos d'une grandeur d'environ 80 cm, d'où sortait une tête de vache momifiée. À l'intérieur du petit naos, du naos en bois se trouvaient regroupés tous les ossements de cette vache. Quelques éléments nous permettent de dater ces ossements et ces artefacts d'une époque tardive. C'est-à-dire que c'est assez simple, on ne se mouille pas trop en plaçant simplement ces éléments à l'époque tardive. Ils doivent provenir, je suppose, d'une nécropole de vaches sacrées qui se trouvait peut-être dans les environs, ou peut-être pas. En tout cas, c'était une surprise absolument inattendue pour les fouilles de l'année dernière. J'en viens maintenant aux fouilles de cette année. Trois éléments principaux ont été retrouvés, en plus du schéma général du plan d'occupation des sols, si vous voulez, de cette temple funéraire. Trois éléments dont la presse a relayé la découverte et donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur ceci. Il s'agit tout d'abord d'un énorme fragment d'obélisques. Vous voyez qu'il n'est conservé que dans sa partie supérieure avec l'extrémité de la pointe qui est en partie taillée, retaillée, découpée, de manière à pouvoir appliquer, comme c'est très souvent le cas sur les obélisques et sur le haut des pyramides de l'Ancien Empire, de manière à pouvoir être recouvert d'une feuille en métal, d'une plaque en métal qui pouvait être du cuivre et qui était peut-être aussi recouvert ensuite d'une légère feuille en or ou en électrum, de manière à faire scintiller au soleil la pointe de cet obélisque. Sur cet obélisque, sur une des faces de cet obélisque, se trouve gravé un cartouche Nefer Carré, et puis un signe même qui vient derrière. Ceci, Nefer Carré, c'est le cartouche du roi Pépi II. Le même qui suit derrière est très probablement un élément de la titulature de la reine Henriette Pépi II, puisqu'il s'agit très probablement du nom du complexe funéraire du roi Pépi II. Et ce complexe funéraire du roi Pépi II figure dans la titulature de la reine. Bref, pour faire simple, nous avons très certainement ici la titulature d'Ornès Pépi II avec son nom qui devait figurer dans la partie inférieure. On peut donc très probablement attribuer cet obélisque à notre reine. Il a été retrouvé ici. Ça n'est pas la localisation normale qu'on attendrait pour cet obélisque. Pourquoi ? Parce que si on a l'habitude de retrouver des obélisques à l'entrée des complexes funéraires des reines, et même des particuliers d'ailleurs, dans l'Ancien Empire, il se trouve normalement à l'entrée du complexe. Ici, nous ne sommes pas du tout à l'entrée du complexe. L'entrée du complexe se trouve ici. Il devrait donc se trouver
endroit. Pourquoi se trouve-t-il ici ? On peut supposer qu'en fait, il a été déplacé par les carriers, les pilleurs de pierre, qui ont commencé à le déviter et puis qui l'ont abandonné sur place. Un autre élément de la porte d'entrée de cette reine, qui se trouve encore ici, est un énorme linteau en granit, probablement d'environ 8 tonnes, qui se trouvait à l'aplomb de l'entrée de cet ensemble. Là aussi, une commission envoyée par le Grand Egyptian Museum est passée aujourd'hui sur le site pour voir quels éléments elle pourrait glaner pour le musée. Je leur ai proposé ce linteau de 8 tonnes, ce ne sera pas forcément facile à déplacer, للعرض وانا عرضت عليهم ان ينقلوا هذا الجزء هو صعب ان ننقله ولكن اذا ما وضعناه في مدخل المتحف سوف يكون نوع من سوف تكون ماستر بيس موضوعه في المدخل d'être entreposé et montré dans le musée, au moins dans l'état. Voici quelques éléments comparatifs des obélisques de reines à l'entrée des complexes. On en connaît. Voici les obélisques des reines Neith et Ouït, qui se trouvent un petit peu plus au sud, à Saqqara. Ils font environ 1m40 de hauteur. Dans notre complexe de reines se trouvent aussi deux obélisques retrouvés complet de la reine Inenek Inti, qui font eux environ 2,20 m de hauteur. Si on essaye de restituer la hauteur probable de cet obélisque, il devait faire environ 5 mètres initialement, donc c'était vraiment quelque chose d'absolument colossal. Mais encore une fois, la reine en Renaissance des Pays-Bas utilise des dimensions que les autres reines ne se permettaient pas d'utiliser. Actuellement, cet obélisque, ce fragment d'obélisque, est le plus gros fragment d'obélisque de l'Ancien Empire qui a été retrouvé. Je ne dis pas qu'il s'agit du plus grand obélisque. Il y a d'autres obélisques qui ont été retrouvés, d'autres fragments d'obélisques qui ont été retrouvés, qui devaient appartenir à de très très hauts obélisques. Mais les fragments qui ont été retrouvés sont beaucoup plus petits que celui-ci qui mesure quand même déjà 2,50 m. Ensuite, le deuxième objet qui a fait le deuxième élément qui a fait l'objet d'un communiqué de presse, c'est ce pyramidion. Vous le voyez au moment où il a été à peu près entièrement dégagé. Au moment de sa découverte, il était assez clair pour nous qu'il s'agissait de la pointe du deuxième obélisque, puisqu'on attend deux obélisques en granit, enfin deux obélisques à l'entrée des complexes des reines. Et ces dimensions correspondaient tout à fait. Vous avez le même petit décrochement que l'on retrouve sur l'autre obélisque. Tout cela correspondait. Mais en descendant, en enlevant la terre et les pierres qui se trouvaient autour, notre certitude a commencé à s'atténuer. En effet, une fois dégagé, on s'aperçoit que ce que nous avions pris initialement pour la partie supérieure du deuxième obélisque, sa partie inférieure était inachevée ou avait été en partie reprise. Vous voyez des traces d'outils. Tout cela n'a pas été poli comme on l'attendrait pour un véritable obélisque. Alors, il aurait pu s'agir d'un obélisque inachevé, pourquoi pas. Mais ce qui nous a permis d'évacuer cette possibilité, c'est lorsque nous avons regardé sous la surface, sur la face inférieure de l'obélisque. C'est-à-dire à cet endroit-là, vous avez ici une très mauvaise photo de ce qu'on en y voit. Et ce que l'on voit, c'est une légère cavité. C'est-à-dire, vous avez ici une mortaise, un système de tenons et mortaises qui permet d'emboîter
un bloc qui se trouvait en dessous avec cet élément qui se trouvait au-dessus. S'il s'agissait d'un obélisque, nous aurions donc un obélisque en kit, en deux parties. La pointe qui formerait une partie, et puis le flux rectangulaire qui formerait la partie inférieure. Ça n'existe pas. Ça n'est pas égyptien. Donc nous évacuons cette possibilité. Et nous essayons de trouver une autre attribution. Ce peut être un pyramidion. Un pyramidion, c'est la partie supérieure d'une pyramide. Elle est habituellement, cette partie supérieure, sommitale, faite dans un matériau différent du reste de la pyramide. Mais là encore, quelques complications quand même. Ces pyramidions de pyramide de Rennes ne sont jamais en granit. Ils n'ont pas cette pente. C'est la pente de ce pyramidion ici est extrêmement forte. Alors, nous avons retrouvé aussi une pyramide satellite juste à côté de ce pyramidion. Nous avons donc supposé initialement qu'il pouvait s'agir du pyramidion, de cette pyramide satellite qui aurait eu une pente particulièrement aiguë. Faute de mieux, on essaye de travailler et de réfléchir au fur et à mesure que se présentent certains éléments. Jusqu'à ce qu'arrive un autre élément, beaucoup plus récemment, un nouveau fragment, pas très joli, mais très intéressant pour nous, puisque si vous le comparez à l'obélisque tel qu'il a été retrouvé, je l'ai remis debout si vous voulez, il est toujours couché, vous voyez le cartouche du roi. Or, cet élément-là, que l'on voit légèrement gravé sur ce bout de granit supplémentaire, correspond exactement, même dans ses dimensions, à ce fragment de cartouche que vous voyez ici, avec, vous voyez le disque solaire ici, on le retrouve ici. Les dimensions sont les mêmes. Et les quelques centimètres qui séparent le haut du cartouche, des quelques centimètres qui séparent le haut du cartouche ici avec cette surface ici, sont les mêmes. Vous avez exactement les mêmes dimensions. Donc, on pourrait supposer que ceci est un élément du deuxième obélisque. Mais si ceci est un élément du deuxième obélisque, ce qui est très probable, très possible, il y a un nouvel élément dont on doit tenir compte, c'est que sa partie supérieure ne part pas en oblique, comme on l'attendrait pour un obélisque, mais au contraire est totalement plate, aplanie par les outils de l'artisan égyptien. Alors ceci en revanche fonctionne tout à fait si on suppose que si on suppose que au-dessus de cet élément qui devait être la partie supérieure du fût de l'obélisque, on allait poser finalement notre pyramidion. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'existe pas d'obélisque en deux parties. Eh bien, je me suis trompé. Il est très probable qu'en fait, ici, nous avons un obélisque composé de deux parties assemblées l'une avec l'autre. Ça reste non égyptien, ça reste inhabituel dans l'architecture égyptienne. Il faut donc, à partir de là, essayer de trouver une hypothèse qui permette d'expliquer cette bizarrerie dans cette bizarrerie architecturale. Faute de mieux, je proposerais de dire que initialement, il s'agissait d'un grand obélisque fait en une seule pièce qui a dû se briser et que les artisans égyptiens ont essayé de rabouter, de rafistoler tant bien que mal cet obélisque en utilisant un deuxième morceau de granit pour lequel ils ont donc utilisé ce système de tenons et de mortaises de manière à construire le premier obélisque
disque en deux parties que je connaisse du moins. Après, peut-être qu'il en existe d'autres. Je n'ai pas encore fait de recherche complète. Je vous dis ça parce que c'est intéressant de voir aussi que la recherche est faite de tâtonnements. C'est-à-dire qu'on émet une hypothèse, on essaye de faire, de mettre en accord avec tous les éléments dont nous disposons. De la même manière qu'on pratique une enquête policière à partir de différents indices, on va essayer de retrouver pour la police, nous on essaie de retrouver ici la raison d'être de cet élément architectural. Mais de même que la police se trompe parfois de coupable, on peut aussi se tromper dans nos interprétations. On essaie bien évidemment de rectifier en fonction des éléments qu'on va retrouver par la suite. Ce qui permet d'ailleurs aussi de réfléchir, puisque ces éléments ont été publiés dans la presse, à la différence qui existe entre le temps long de l'archéologie qui demande de toujours remettre en question les éléments qu'on a retrouvés et le temps extrêmement rapide et l'immédiateté du communiqué de presse où on va annoncer une découverte juste pratiquement le jour même où la découverte a été faite. Dans certains cas, il est simple de donner une réponse, dans d'autres cas, un petit peu moins. Donc, ce pyramidion que vous aurez vu présenté comme pyramidion dans la presse, de notre fait d'ailleurs, puisqu'initialement, notre première pensée, ou du moins notre deuxième pensée, était qu'il s'agissait d'un pyramidion, doit être, je pense, maintenant rectifié. Alors, un autre élément aussi qui a déjà fait beaucoup couler, j'allais dire couler beaucoup d'encre, non, en tout cas qui a agité les réseaux sociaux récemment, il s'agit de cette très jolie tête qui a été retrouvée aussi par la mission il y a de cela trois semaines. Une tête un peu mystérieuse. Elle a été retrouvée pratiquement au niveau des sols de l'Ancien Empire. Elle est pratiquement de grandeur nature et elle a un cou très très long, particulièrement long. La voici, d'autres photographies, très jolie, avec aussi de grandes boucles d'oreilles en forme de disque. Alors, a priori, puisqu'on se trouve dans un contexte de l'Ancien Empire, dans le contexte du temple funéraire d'une reine, on peut, sans y regarder plus avant, supposer qu'il s'agit d'une tête de statue de la reine Henrissen Pépidou. Mais n'importe quel égyptologue qui regarde 10 secondes de plus cet objet verra bien que stylistiquement ça ne correspond pas aux éléments que l'on retrouve à l'Ancien Empire. En revanche, cela évoque immédiatement d'autres parallèles bien connus. Cette tête, vous voyez, avec ce même long cou et ses grandes boucles d'oreilles, sans cheveux, pas de perruque sur les cheveux, pas de cheveux représentés, juste des cheveux très très courts, ou cette autre tête retrouvée aussi avec ses grandes boucles d'oreilles. Cette tête, si, a un avantage sur celle-ci, même si celle-ci ressemble plus à la tête que nous avons découverte, c'est que cette tête ici a été retrouvée dans un contexte archéologique sûr. Elle a été retrouvée par Anasazi en 1985 à Saqqara, mais pas dans un contexte de l'Ancien Empire, à l'intérieur de la tombe d'un vizir du Nouvel Empire. C'est-à-dire que nous travaillons pour l'Ancien Empire. Je ne vous ai même pas donné de date, aux environs de 2300 avant Jésus-Christ, alors que cette tête ici
date d'environ, disons, 1500 avant Jésus-Christ. Vous avez à peu près 8 siècles d'écart entre les deux. Elle a été retrouvée dans la tombe d'un vizir et elle appartenait très vraisemblablement à l'épouse de ce vizir. Al-Azizi a étudié toutes ces têtes. Il existe aussi une autre tête comme ceci conservée au Eton College qui a été signalée justement par M. Zivi. Donc, grâce à son étude, il a pu en déduire avec une très forte probabilité que ces éléments-là, ces têtes, étaient des porte-perruques. D'où aussi l'utilisation de ce grand coup. Ce grand coup devait être fiché à l'intérieur d'une base en bois, de manière à pouvoir supporter le poids assez imposant طويلة حتى تستطيع تحمل وزن الشعر المستعار التي سوف توضع عليه ولذلك فهي حجمها بحجم رأس الشخص أو الشخصة التي سوف ترتدي الشعر المستعار أو الباروكة وهذه الرأس التي وجدناها في ترجع إلى أحد سيدات للأسرة الثامنة عشر هذا الرأس القديم ولكن هذه الرأس التي وجدناها أحدث أو ترجع إلى عصر آخر إذن سوف نقول أنها ترجع إلى الدولة الحديثة لأنها تشبه إلى حد ما تشبه نفرتيتي بالعينين وهنا صورة الموجودة في متحف Brooklyn, notre reine en reste une pépine. Vous voyez qu'elles n'ont pas du tout وهذا ليس خطأنا ولكن ليس رأس الملكة إذن ولكنني أتحفظ قليلا أو je ne vais pas dire à 100% que cette tête date de قليلا لأن هذه لن أقول أنه 100% ترجع إلى الدولة الحديثة لأننا كيف ما هي معلوماتنا عن التماثيل الخشبية التي تعود إلى الدولة القديمة لا نعرف الكثير portraits, هناك رسومات أو تماثيل خشبية ترجع إلى الدولة القديمة للنساء هناك حوالي 30 ولكنها تماثيل صغيرة جدا لا يمكن أن نتحدث عن أساليب نحت بالنسبة لنا وماذا نعرف عن هذه Combien connaît-on de têtes de femmes parmi ces trois statues de femmes royales de femmes des reines. Donc, c'est pour ça que je reste prudent. Bien évidemment, tout pointe vers une datation du Nouvel Empire. Mais nous n'avons pas de parallèle exact à cette datation. Et je ne voudrais pas qu'on s'enferme dans un cercle vicieux qui nous fasse dater cette tête du Nouvel Empire tout simplement parce qu'on n'a pas de parallèle à l'Ancien Empire. دائرة مغلقة وأقول أنها ترجع إلى الدولة الحديثة لأننا ليس لدينا أدلة أنها ترجع إلى الدولة القديمة وأننا ليس لدينا أمثلة مشابهة ولكن un argument supplémentaire qui pourrait faire dater cette statue de l'Ancien Empire, c'est que ça me ferait bien plaisir.
عنصر آخر أنها تعود إلى كونها تعود إلى الدولة القديمة هنا ذلك سيكون شيء سوف يساعدني ولكن السعادة ليس عنصر مهم للتاريخ العلمي ويمكن أن من الممكن حتى du bois et faire une datation carbone 14, on va peut-être essayer de pratiquer ce type de... الخشب ونقوم بتحليلها لمعرفة عمرها. سوف أنهي حديثي بعنصر صغير لأعرضه على الزملاء وجدنا نص أو وثيقة لتكريس المعبد والمجمع الجنائزي والمعبد الجنائزي الذي يتحدث mais surtout une phrase التي تقدم كل المجمع ولكن هناك جملة sa majesté sous-entendu le roi hein, c'est le masculin a agi pour elle c'est probablement la reine puisqu'on trouve ce texte à l'intérieur de sa quand elle était dans la résidence qu'est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce qu'on nous dit que le roi le petit roi Pépidou عندما كانت في المنزل أي القصر أنا أتساءل إذا لم يكن هذه وسيلة ملتوية لنقول أنها هي الملكة الوصية أي أنها في الحكم أي أنها هي التي تأخذ القرارات ولكن هذا لا يمكن أن نقوله بشكل مباشر في الثقافة الفرعونية إذا الملك هو في سنه الصغير هو مؤهل لكل شيء حتى في سن الولادة حتى لو لم يكن شاب عن الطوق لا يمكن أن نقول أن الملكة هي التي تحكم ولكن هذه الجملة يمكن أن تكون طريقة لنقول ما لا يمكن قوله بأنها كانت في القصر أو أنها تحكم بهذه الجملة ونجد في هذا كذلك qui porte le roi qui a l'air d'un homme. Donc le roi est véritablement considéré comme ayant toutes ses facultés de penser d'homme accompli. Mais pour autant, on explique quand même ici que la reine, sa mère, le porte sur les genoux. Voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'éléments relatifs à nos découvertes récentes, je vous invite à aller voir sur notre site Mafes-Sakara et notamment sur notre blog dans lequel nous avons publié quelques éléments relatifs à ces dernières découvertes si vous voulez la voie officielle de la mission c'est ici que vous la trouvez et cette voie officielle bien évidemment elle peut évoluer en même temps qu'évoluent nos découvertes et nos réflexions je vous remercie. فاتنا وأعمالنا وأشكركم.